Voici votre animateur, François Saint-Louis. Oui, selon nos sources au bureau d'enquête, on a appris que la SQ, Sûreté du Québec, évalue présentement la possibilité de déclencher de son propre chef une enquête criminelle sur des allégations et ou des apparences de parjure là, auxquelles aurait pu se livrer Violette Trépanier à la commission Charbonneau le 20 juin 2014. La SQ, présentement, regarde les preuves qui sont devant elle, les preuves qu'elle peut obtenir afin de savoir s'il y a matière, assez de matière à déclencher cette enquête criminelle-là. Alors, nous avons joint au téléphone le capitaine Guy Lapointe de la Sûreté du Québec qui a affirmé ne pas être en mesure de commenter d'éventuelles enquêtes à être déclenchées. On le comprendra, mais c'est une information qui a été vérifiée, validée et revalidée. Alors, je le rappelle, la Sûreté du Québec, suite aux révélations de notre bureau d'enquête, étudie actuellement la possibilité d'ouvrir une enquête criminelle sur des allégations de parjure auxquelles aurait pu, je dis bien, aurait pu. Pas une, pas deux, trois enquêtes criminelles, mesdames et messieurs, depuis une semaine qu'on apprend ici dans les médias sur le Parti libéral du Québec. 3 mai 2017, bienvenue au Journal du soir, Max Bradette est déjà avec nous. Salut Max, comment ça va ce soir? Ça va bien, toi, François? Ah oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, encore un autre enquête criminelle. Trois en une semaine et demie. Jean Charest et Marc Bibeau. Deux députés qu'on connaît pas. Puis Violette Trépanier aujourd'hui. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que ça fait... j'étais à CGMS et puis c'est d'ailleurs ce qui m'avait coûté mon poste. On m'avait reproché que j'en disais trop, que je m'en prenais simplement au Parti libéral. Je pense que j'ai été un des précurseurs et tout ce qui se produit, sans dire que je l'avais deviné parce que c'est simplement de la logique. Deux et deux, c'est, quand tu es intelligent, au moins, ou tu penses être intelligent, c'est facile de déduire que l'auge à cochon, le fumier libéral transperçait partout. Et là, ben écoute, ça sort. Ce que je trouve drôle dans cette histoire-là, c'est que les noms qui sortent également... Les noms, quand je te dis qu'il y en avait placé partout, c'est quand tu vois dans les courriels ce matin qu'elle contactait John Parisella. John Parisella, ça, c'est un gars qui est très aimé, qui est estimé. Il y a même eu un article, ce qui était drôle, un article, si je ne m'abuse, c'est de Mathieu Bob-Côté, qui l'appelait un peu comme un prince en disant que même s'il était de l'option fédéraliste, c'était quelqu'un qui avait de la classe, qui avait de la dignité. On voit comme les autres que c'est de la charogne. C'est de la charogne fédéraliste, que tous les moyens sont bons. C'est parce que tous les moyens sont bons pour tromper le peuple. Et ce qui est arrivé avec Violette Trépanier, c'était bien facile à voir. Violette Trépanier, je te dirais, tu sais, quand tu regardes l'organigramme d'une organisation criminelle, que ce soit la mafia, que ce soit les Hells Angels, mais surtout de la mafia, parce que la mafia avait un très bon organigramme criminel. Écoute, c'est tellement vieux, la mafia, que c'est une entreprise en tant que telle. Et les libéraux ont un petit peu copié comme ça. Violette Trépanier, je te dirais que c'était, on pourrait l'appeler la Madame Claude. Tu sais, dans le temps qu'il y a de la prostitution à Montréal, Montréal-Ville-Ouest, il y avait Madame Claude, les filles de Madame Claude. Les gens allaient voir les filles de Madame Claude. Ben, au niveau politique, Violette Trépanier, c'est un petit peu la baronne. C'est elle qui maintient le bordel, autrement dit. C'est elle, la tenancière du bordel, qui faisait le lien entre le politique et puis les donateurs de fonds, la caisse électorale, Marc Bibeau. Elle, un petit peu, c'était la Madame Claude du Parti libéral. De toute manière, quand les gens écoutent, je trouvais tellement ça drôle aujourd'hui. Est-ce qu'elle va être accusée de parjure? C'est ci, c'est ça. Y a-tu vraiment quelqu'un qui pense que ceux qui sont allés à la commission Charbonneau, à part peut-être Lino Zampito, là, a dit la vérité? Ken Pereira aurait dit la vérité. Ça, c'est à peu près les deux seuls qui ont vidé leur sac, qui n'avaient rien à perdre. Les autres, c'est tout un paquet de menteries qui sont allés compter là, de fausses vérités, de demi-vérités, qui ont incriminé les gens qui voulaient incriminer en tentant de sauver leur arrière. Parce qu'ils savaient pertinemment que le système allait continuer. Tu regardes, là,
notre ami de Laval, là, Tony Accurso. Tony Accurso, là, tu n'entends plus parler, il y avait des procès, il était pris par le fisc, l'impôt, toutes ces choses-là. Il va tout s'en sortir, là, Tony Accurso, là. D'ailleurs, je vais te faire une prédiction, je vais vous en faire une ce soir, là. Il est arrivé il y a eu un procès auparavant, il y a eu des accusations sur quelqu'un qui avait un peu les mêmes, dans le dossier de Tony Accurso, qui avait les mêmes accusations, et on s'est aperçu qu'il y avait eu vice de procédure. On se prépare à présenter un vice de procédure du côté de Tony Accurso. Parce que, tu sais, quand Tony Accurso est allé dire après à des journalistes, vouloir, je ferais tomber le gouvernement, puis il est parti à rire, fait qu'il faut pas que tu penses que la mafia libérale, qui a en poste toutes les postes-clés sont occupés par des bagman du Parti libéral, des gens qui sont là pour protéger le système qui est en place, Tony Accurso va s'en sortir. Il va avoir aucune poursuite. Et s'il y a une amende à payer, il va la payer, puis ça va être payé par ses amis du Parti libéral. Faut pas que tu t'en fasses. Le système est tellement vicié. Et ce qui est drôle aussi, c'est que la lâcheté qu'on a vue la semaine dernière, les députés libéraux qui sont sortis, je pense à Robert Poitier, je pense à Guy Ouellette, mais ça, Guy Ouellette, là, c'est pas trop fort, là. Guy Ouellette, pour ceux qui le savent pas, là, ça, c'est celui-là, là, qui avait été dans une réunion des Hells Angels avec un policier de l'OPP de l'Ontario, et il y avait une réunion des Hells Angels dans un hôtel, et eux, ils avaient laissé leur ordinateur dans leur chambre d'hôtel avec tout le nom de toutes les agents doubles. C'est les gens qui étaient sur le terrain, les gens qui étaient infiltrés chez les Hells, puis dans le crime organisé. Ben, Guy Ouellette, il avait oublié son ordinateur dans la chambre d'hôtel. Ça fait que là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? L'ordinateur a été volé, parce que t'avais peut-être, je ne sais pas, moi, toutes les chambres étaient louées en grande partie par des motards criminalisés qui tenaient un rassemblement. Puis là, il a perdu son ordinateur. Et ça a coûté la vie à un informateur, mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait rien qui pouvait décrypter. Comme pur hasard, il y a un informateur qui était très, très prêt de faire boucler une enquête du côté criminel qu'il est disparu. Fait quand je te dis que l'appareil en tant que tel est vicié de A à Z, François, on en a la preuve. Là, ce qui est drôle, c'est que ça sort à tous les jours, il en sort un à tous les jours, mais on oublie déjà, tu sais, on a déjà oublié les autres en arrière. On a déjà oublié Couillard, avec Marc-Yvan Côté, qui était très proche. Puis Couillard qui continue à dire que c'est pas sur son administration que c'est arrivé. Mario Dumont qui disait la même chose ce matin. Les structures se défendent. Puis on a tellement gangréné, on a tellement mis des gens en place, y compris au niveau des médias, c'est quand tu vois arriver un Jean de Parisella qui est analyste, tu vois arriver un Luc Lavoie, ces gens-là, là, ils sont pas là pour rien. Ces gens-là sont pour nous vendre la salade libérale. Sont là pour nous dire que ben c'est pas si pire que ça. Ils nous font accepter l'inacceptable. Et ce qui arrive présentement, c'est ça, c'est que le peuple québécois, les Québécois, sont rendus maintenant que c'est une normalité de se faire voler. C'est une normalité que le crime organisé libéral contrôle. Tu vas voir, ça va être la même chose, là. On va légaliser le pot. C'est les petits amis du parti qui vont en profiter. Faut pas que les gens pensent, là, que c'est tout décidé d'avance, là, qui va avoir les maisons de pot, qui va cultiver ça, qui va avoir les petites boutiques qui vont vendre ça au centre-ville. C'est tout décidé d'avance. C'est tout des amis mis en place par le Parti libéral. Tu regardes encore des conseils d'administration, des gens qui ont été nommés sur des conseils d'administration qui servent Marc Bibeau pour des locations de local. C'est tous des gens qui ont été nommés via Violette Trépanier, quand on sait très bien que Violette Trépanier et Marc Bibeau étaient, en fin de compte, ceux qui, écoute, arrivaient à plein visage des gens en disant qu'elle nageait dans l'argent. C'est une crapule de la pire espèce, Violette Trépanier. C'est une crapule comme les autres, mais elle va s'en sortir. Il n'y a jamais personne qui a les menottes. Il n'y a jamais personne qui est enfermé. C'est épouvantable. Ça prend, et là on dit qu'on donne ça dans les mains des policiers, qu'on fait des enquêtes. On met ça dans les mains de nos amis pour qu'ils enterrent l'affaire. C'est pas plus compliqué que ça.
C'est comme quand on est allé chercher Nathalie Normando, chirurgicalement parlant, on est allé chercher Nathalie Normando parce que là, elle était à la radio à ce moment-là et ce qu'elle faisait, bon, elle commençait à se rebiffer, Madame se rebiffe. Ben, on a dit, on va y expliquer le plan à elle. Puis à ce moment-là, Lafrenière était contestée. On savait pas s'il allait revenir avec l'UPAC. Fait qu'il fallait frapper un grand coup. On est allé frapper Nathalie Normando, celle-là qui n'avait plus aucun pouvoir, celle-là qu'on pouvait déshabiller, qu'on pouvait faire un striptease avec, puis y mettre une broche dans le derrière, puis la faire cuire. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça qu'on a fait. Pendant ce temps-là, les autres ont tout passé parce que c'était toute la même gang. On le voit, là. La gang à Jean Charest, Nathalie Normando, même Nathalie Normando, qui défend encore Jean Charest, quand tu l'écoutes, elle défend encore Jean Charest. Imagine-toi, elle a une émission de grande écoute à Québec, dans une station, et les gens disent, écoute, c'est toute une dame, elle est respectée, puis c'est ça l'information, François. Moi, je te l'ai dit, ils m'ont calissé des hauts parce que j'ai dit la vérité. Tu m'appelais, des fois tu t'assinais avec moi. Quand je t'avais dit aux élections fédérales, ça va être le pire et le rouge, tu vas avoir Coderre, tu vas avoir Couillard, puis tu vas avoir Trudeau. Mm-hmm. Puis je t'avais même dit, ça va être un balayage libéral, ils vont battre les conservateurs à pleine couture. Passant encore pour un fou. C'est-tu arrivé ou non, c'est pas arrivé? Non, mais tu passais pas pour un fou. Écoute... T'avais prédit Couillard, Trudeau, Coderre. Écoute, dans le monde qu'on vit présentement, on vit dans un monde de tricheurs, de voleurs et de menteurs. Et le plus bel exemple, c'est le marquis de Sade. Les gens connaissent le marquis de Sade. Mm-hmm. Ils connaissent surtout pour sa perversion. Mais le marquis de Sade, c'est avant tout un écrivain, je peux te le dire. Puis je conseille les gens de le lire un peu. Peut-être pas rien que lire... pas lire tout ce qui est question qui a fait de littérature perverse. Mais le marquis de Sade, là, il a écrit un livre qui s'appelle ce qui est bel et bien dit, c'est la société qu'on vit présentement. Dans un monde où ce que les gens sont bons, tu te dois d'être bon. Et dans un monde où ce que les gens sont mauvais, tu te dois d'être mauvais. Et t'as pas d'autre choix présentement. Tu regardes qui sont adulés, ce sont les meilleurs tricheurs. Que ce soit en finance, que ce soit en politique, que ce soit au niveau du sport, si tu ne triches pas, tu ne gagnes pas. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Toutes les gens qui ont perdu une fortune, économiquement parlant, en créant une bulle financière qui n'existait pas, ben tous ces gens-là s'en ont tous sortis et aujourd'hui, ils ont encore des bonis. Ils ont détourné le bien public, ils ont volé des petits investisseurs du monde qui, à la sueur de leur front, de leur santé, ont gaspillé leur santé en tentant de s'en mettre un peu de côté pour avoir des retraites. Ben, ils ont réussi à les siphonner. Puis aujourd'hui, ces gens-là, t'as des gens qui sont rendus à 65, 70 ans, qui sont obligés de retourner sur le marché du travail. Pendant ce temps-là, ces gens-là continuent à collecter des commissions parce qu'il n'y a pas eu rien qui s'est passé. Personne n'était accusé, personne n'est imputable de rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de justice. La justice a été parjurée. Il y a eu des allégations la semaine dernière, des allégations de franqueur sur ce qui est arrivé. Là, on cherche qui a fait couler la source. On ne cherche pas à trouver le coupable. On cherche à savoir celui-là qui a donné l'information pour que ça sorte dans les journaux. C'est ça qu'on cherche. C'est sur ça qu'on fait une enquête. Le Parti québécois avait fait pareil lorsqu'il avait arrivé du coulage, la même chose. On veut pas trouver le criminel. On veut trouver celui qui a dénoncé le criminel. C'est rendu grave. La même chose qui s'était produit à Laval. Il y a des gens qui avaient dénoncé, ça faisait longtemps, ce que Vaillancourt a fait. Il avait dénoncé ça même à Florent Gagné. Tu sais qui c'est, ça, Florent Gagné? Ça, c'est un autre expert qui est à la solde de la mafia libérale. Ils n'ont rien fait. On a même exposé ces gens-là à des dangers. Ces gens-là auraient pu être tués, auraient pu être abattus. Puis il y en a beaucoup qui ont eu des représailles. Écoute, on n'a plus de justice. En n'ayant plus de justice, on n'a plus de démocratie. C'est ça qui se produit présentement.
OK, là, c'est bien fun de voir le purin sortir à tous les jours, mais on s'en prend à qui? Tu regardes encore Pierre Moreau. Quand je vous avais dit que Pierre Moreau, c'était un autre, c'était de la graine de charogne aussi. Même le cancer, elle n'a pas voulu, Calice. C'est dur ce que je dis là, il y en a qui vont dire que j'ai des propos durs, mais je les déteste, les libéraux. C'est des hosties de charogne. Ben, t'es pas tout seul, il y a les premiers ministres qui détestent les séparatistes. Bon, c'est des hosties de charogne. Même le cancer, elle n'a pas voulu, Pierre Moreau. Là, le monde va dire que c'est dur ce que je dis là, mais c'est vrai. J'approuve rien de ces gens-là. Ce sont des gens qui sont mauvais. Ouais. Ce sont des gens qui sont mauvais, point à la ligne. Mais ce ne sont pas des bonnes personnes. Tu peux avoir des gens, ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce que je et tant et aussi longtemps ouais. que le ménage ne sera pas fait, il ne peut pas se faire le ménage. Et quand j'ai vu la semaine dernière des députés libéraux sortir pour nous dire « Hey, c'est pas drôle, je suis tanné d'être associé avec ça », ben s'il y aurait une once de courage... Il démissionnerait. Non, il y aurait une once de dignité. Laisse la démission, il pourrait faire mieux que ça pour le Québec. Il traverserait la Chambre, il irait siéger comme indépendant et il ferait tomber ce gouvernement-là minoritaire et il pourrait faire tomber le gouvernement. Effectivement, parce qu'ils ont seulement 70. Quand t'as de l'honneur, c'est comme ça que tu te comportes. Et si je m'en rappelais Jean-François Lisée, tu te souviens quand je t'ai compté, je t'ai parlé de ça, je t'ai parlé d'un coup d'État politique qui pouvait être fait. Tu dois t'en souvenir, j'en ai parlé à ton émission. Oui. Ben, à ce moment-là, comment ça se fait que personne, il n'y a pas un hostie de journaliste dont celui qui pose les vraies questions, qui est le matin, celui qui, chirurgicalement parlant, fait un job pour son frère, là. C'est facile à voir, là. Là, Paul Arcand, il y a une couple de libéraux qui veut qu'il se débarrasse, là. Paul Arcand, ça pourrait faire un job pour son frère qui y pisse les oreilles, là. Écoute-le le matin, puis tu vas le voir. Il y a quelqu'un qui pisse dans les oreilles, puis c'est son frère. Mmh. C'est pas plus compliqué que ça, là. Parce que deux et deux, ça fait quatre. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un journaliste, quand il y a Robert Poitiers au bout de la ligne, j'y dirais, si t'as du courage, si t'es un policier si honnête que ça, au lieu de te faire rouler dans la farine, puis passer pour un gros crise de cave, traverse la chambre. Emmène l'autre Ouellette, le clown à Ouellette, là, qui était pas capable de protéger son ordinateur. Emmène-le avec toi de l'autre bord. Puis si les autres députés libéraux qui sont comme ça, qui sont tannés de se faire traiter de crotté, là, ben, qui ne dit rien consent? Adolf Hitler, il y avait 33% des gens en Allemagne qui l'appuyaient. C'était pas 100%, là. Il y en avait 30, il s'est fait tenir avec 33% des gens. Mais stratégiquement parlant, il a tout réussi à mettre la crainte. Il a réussi à tout changer ça de bord. Mais il y a 67% des Allemands qui étaient contre lui. Mais le peuple allemand a souffert, le peuple allemand a payé, mais le peuple allemand n'a pas dit mot, a consenti. Ben, le peuple québécois consent. C'est pas plus compliqué que ça. Puis les députés libéraux, ces pourritures-là qui sont allés sortir pour dire que, hey, là, il est offusqué. Ben, quand t'es à un poste, que t'es député, que tu représentes les gens, puis tu vois que c'est sale, si t'as pas le courage de tes convictions, ferme ta calice de gueule, puis continue à empocher ton pizzo. Mais tous les députés libéraux qui sont là présentement, ils ont été élus avec de l'argent sale. De l'argent ramassé par Violette puis par Marc Bibeau. Puis Philippe Couillard, il est là avec de l'argent de Marc Bibeau, puis de Marc Yvan à côté, puis de Violette Trépanier. C'est pas plus compliqué que ça. Puis il n'y a pas un hostie qui est capable de dire à pleine face à un moment donné. Je peux te dire qu'à 6 mois pas à l'Assemblée nationale, quand je les vois dire c'est tous des compères, non, ça serait pas mes amis. En tout cas, je peux te dire, moi, une chose. Puis je serrerai pas à main à Noël, puis je serrerai pas à main au jour de l'an, puis à l'une fête, je ne souhaiterais pas bonne fête. Parce que c'est des hosties de charogne. Et puis tu quand disais... Quand t'es fier, mon ami, quand t'es fier, là, tu ne sers pas à main des charognes à des gens qui sont prêts à t'étrangler. Tu ne donnes pas une deuxième balle à quelqu'un qui t'a manqué le premier coup. Ouais, puis... Parce que quand tu fais ça, tu es un innocent. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont écœurés de se faire traiter de corrompus, mais comme tu disais tantôt, ils rentrent dans le rang comme...
comme des petits chiens avec la queue entre les deux jambes. Et puis, je peux te dire une chose, Max, c'est toi qui disais il y a à peu près 2-3 ans, tu me corrigeras si je me trompe, que les libéraux auraient... Tu avais fait un calcul, puis c'est bizarre. Tu avais dit à peu près 100 millions il y a 2 ans, à peu près. Là. C'est ça qu'ils ont ramassé. Puis la semaine... 10 millions par année pendant 10 ans. Puis tu viens, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais ça a sorti la semaine passée, 100 millions. La semaine passée, tout a dit ça il y a 2 ans. Bien, écoute, on peut dire une chose, même que Steve Fortin du mardi soir, qui est avec moi le mardi, a dit depuis un an et demi à peu près, que les policiers seraient écœurés, m'emmenés, puis ils couleraient l'information. Bon, je ne sais pas par où ça a sorti, les formations des enquêtes policières, mais ça, c'est pas important, il y en a des enquêtes policières. Puis j'ai aimé ce que tu as dit tantôt, Max, quand tu as dit que ça devient c'est comme normal. Tu sais, le premier ministre est en enquête policière, Sam Ahmad, le fameux Sam Ahmad, démissionne le lendemain matin. Pourquoi est-ce qu'il démissionne le lendemain matin? Excuse-moi, t'arrêter, François. Quand ils sont en paix avec ça, ma marde, on le sait que c'est de la marde en plus. Je le sais, mais les libéraux essayent. Non, mais la preuve était faite, là. Arrête, comment ça? La preuve a été faite. Laquelle? Il était avec Roche, il était avec Marc Yvan à côté. Ah oui, ça, je le sais. Il était premier avec premier texte. Je le sais. Il démissionne, mais les radios de Québec, ce qu'ils ont fait, les radios de Québec ont décidé, il pleurait sur son sort, puis il va manquer à la région de Québec, puis juste que boum, boum, la bombe, là. Qui est allé dire qu'écoute, ça n'avait pas de bon sens, c'est vrai que sa maman revienne sur la décision. Écoute, quand c'est la même chose que le maire de Laval. Quand le mensonge est assez gros, là, écoute, le maire de Laval, on l'a dit, il y avait des accusations, il avait passé les menottes, il avait fait un sondage, puis le monde l'aurait réélu. Fait que là, c'est sa maman, là, il a démissionné, puis là, tu t'aurais vu le pas lourde, puis t'aurais vu toutes les entrevues complaisantes. Ben, moi, à radio, je n'aurais même pas fait d'entrevue avec Sam Ahmad. Parce qu'il mérite même pas 2 minutes de temps d'antenne. Ben, c'était ça le but. Le but, c'était d'occuper du temps d'antenne. Pour pas qu'on parle de l'enquête de Charest puis Bibeau. C'était ça le but. Non, mais c'est pas ça le but. Le but, là, c'est pas compliqué. C'est que c'est tout décroté. Faut qu'il décalisse. Ouais, mais ça, mais non. Décroté, ça, de notre bord, c'est mais, ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais de leur bord. Mais, c'est pas rien que de notre bord. Il y a un moment donné, là, si t'es intelligent pour Saint-Saëns, puis je vais te voler dans ta maison, puis tu continues à me donner à clé. C'est pas moi le cave, c'est toi le cave. Ben, ça, regarde. Le meilleur exemple, c'est Jean de Laval. À toutes les fois que je vois chez vous, il disparaît quelque chose dans la maison, mais c'est pas grave, tu me laisses la clé pareil. Fait que là, écoute, c'est exactement ça qu'on fait. Puis, tu sais, les autres, comme je t'ai dit, les autres députés libéraux, ils vivent dans le marbre. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas un politicien, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un columniste, peut-être que c'est moi qui est fou, ça peut arriver que ça, c'est moi qui suis fou, mais qui confond ces députés libéraux-là qui se lamentent sur leur sort, puis qui dit, écoute, vous avez un... Ils n'ont pas besoin de démissionner, là. Qui traverse la Chambre, qui a le siéger comme indépendant, qui met ce gouvernement-là minoritaire, et à ce moment-là, quitte à faire un gouvernement de coalition, s'ils sont aussi propres que ça qu'ils fassent un gouvernement de coalition. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils calculent eux autres dans leur tête qu'ils ont plus de chances d'être élus dans Marguerite Bourgeois aux prochaines élections que s'ils démissionnaient. Fait qu'ils pensent plus à leur réélection, style Poitiers. Je sais pas dans quel comté il est Guy Ouellet, je me souviens pas, là. Mais Poitiers, lui, est dans Marguerite Bourgeois, il est élu... jusqu'à sa mort, c'est un peu comme Ville-Saint-Laurent, dans Stéphane Dion, puis bon, mais excepté que eux, ils calculent dans leur tête que ils ont plus de chances d'être élus. La plus belle exemple, il y a un moment donné, là, c'est facile, j'ai pas eu besoin de personne pour me le dire, ça fait 2 ans que je disais là, que c'était corogne là, puis quand je l'ai dit 10 millions par année, je l'ai dit il y a 2-3 ans, puis c'est pas compliqué, c'était très facile à compter, puis si moi je le savais, il y a des gens qui me l'avaient dit, des gens proches, la caisse électorale du Parti libéral, qui me l'avait dit, on collecte 10 millions par année, ça fait 10 ans, 60 millions. Ça, c'est pas dur, on a des immeubles, on a tout. Et puis, il riait, écoute, je faisais de la radio, je le disais à la radio, puis il me riait à pleine face. Puis là, il y avait du fun. Continue à parler, tu parles pour rien. C'est. On a le contrôle de tout. Puis c'est vrai qu'ils ont le contrôle de tout.
La première chose qui s'est emparée, Jean Charest, c'était le contrôle de l'appareil judiciaire. Exact. Quand tu contrôles l'appareil judiciaire, que l'appareil judiciaire est vicié, puis regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont offert le comté à Robert Poitty, à celui-là qui a Lafrenière qui a dénoncé, ouais. Là. Président de syndicat. Ils ont fait ça, c'était pour qu'il se taise. Ils ont fait ça pour qu'il dise un mot. Ils faisaient ça. Comment une personne qui sont placées à l'Assemblée nationale, comment une nomination que le Parti libéral a faite pour enterrer le poisson, pour pas que ça sorte, pour que s'il y a des enquêtes, que ça soit huissier. Depuis 15 ans, c'est des milliers. Depuis 15 ans, c'est des milliers, Max. Fait que, tu sais, il y a un moment donné, là, on en parle, là, c'est drôle. C'est un cirque à tous les jours, mais ça avance pas. Le procureur, il y en a la société immobilière que Jérôme Forget a dit, il n'y a pas personne qui veut aller là. Puis, écoute, même la journaliste de Radio-Canada, quand elle a dit ça, puis ils sont durs à scandaliser quand ça vient du Parti libéral. Mais même la journaliste de Radio-Canada était scandalisée quand elle a dit ça. Là. Des postes à 100 000 par année. Il n'y a pas personne qui en veut, là, tu comprends? C'est la maudite crise de salope-là. C'est le nom qu'elle mérite d'avoir, là. Quand elle dit à la radio, c'était une salope, Monique Jérôme Forget. C'est une crise de salope. T'as pas plus vache que ça. Venir nourrir à pleine face. Il l'appelait la sacoche. Ouais, une voleuse professionnelle. On disait que c'était des trous de cul, ça, ceux qui étaient nommés là. C'était pas important. C'est tous des incompétents qui s'en vont siéger là, mais c'est eux autres qui les nomment. Mais t'as-tu vu? Non, c'est Marc Bibeau qui les a nommés. Ben ouais, ben, c'est Marc Bibeau qui disait à Violette, c'est ceux-là que ça nous prend, mon ami, parce que quand ça arrivait le temps d'avoir des beaux, justement, puis de louer des locaux, ben Marc s'assurait que ça allait être ses locaux qui allaient être loués, puis Marc s'assurait qu'il allait avoir son pizzo. Tu sais, Marc Bibeau, je l'ai dit la semaine dernière, je le répéterai pas, c'est le chef de la mafia au Québec. Il peut faire enfermer n'importe qui, il peut faire n'importe quoi, Marc Bibeau. L'homme qui fait trembler le Québec, il s'appelle Marc Bibeau. C'est le chef de la mafia. Lui, Marc Bibeau, là, il est plus puissant que Justin Trudeau, qui est au Canada, tu vas me dire. Marc Bibeau est l'homme le plus puissant au Canada. Pas rien qu'au Québec, au Canada. Parce que contrôler une province comme il le fait, là, faut le faire. Il contrôle totalement tout. Il contrôle l'appareil judiciaire. Écoute, c'est fort. Il n'y a pas un ministère qui ne contrôle pas. Il allait se mettre en avant de lui pour être ministre. Réveillez-vous, bande de caves! Là, Max, on est pogné d'un dilemme. Ils vont être élus peut-être aux prochaines élections. Mais ça, écoute, ça c'est correct. Ça, c'est. T'aimes ça manger de la merde mangeant. J'ai pas de problème avec ça. Mm. Et le monde aime ça et s'ils en mangeant. Mais il reste que c'est quand ils entendent les analyses puis qu'ils eux donnent de temps en temps le bénéfice du doute. Ben moi, je lui ai jamais donné le bénéfice du doute parce qu'il n'y en avait pas de bénéfice du doute. C'est des certitudes. Tu sais, si t'arrives puis. Je te vois avec la voisine, ça peut être une chose. Mais si je suis rendu que t'es dans la chambre à coucher, t'es avec la voisine, t'es flambant nu, puis t'es en arrière de elle, t'es après de la soigner, ben il y a des gros chances. Il y a des gros chances, tu sais, après de la sauter. Je te donnerai plus le bénéfice du doute. Mais à Radio-Canada, à TVA, à 98.5, ils vont te donner encore le bénéfice du doute. Ben ils vont dire peut-être. Ils vont dire, c'est assez bien peut-être. Imagé quand même. Il faut reconnaître que c'est assez bien imagé. Y avait-il du sperme? J'admire ton sens des exemples, Max. J'admire ton sens de vulgarisation de la chose. J'admire ça. Si les gens ne comprennent pas ça. Avant ça, je me dis, dans cette image-là, là, où on en est rendu, puis les gens vont la comprendre. Tu sais, avant ça, ils disaient, hey, t'as juste embrassé, une autre femme. Tu m'as trompé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Là, après ça, bon, ben écoute, t'as pogné les fesses d'une autre femme. Là, embrassé, c'était plus trompé. Là, tu as pogné les fesses. Ben là, tu m'as trompé. Mais là, on est allé embrasser. Mais là, t'es flambant nu, t'es avec, t'es par-dessous ou par-en-dessous d'elle. Là, ce qu'il faut savoir, c'est s'il y a eu du sperme qui a coulé. Ouais. S'il n'y a pas de sperme qui a coulé, c'est correct. T'as encore le bénéfice. C'est correct. Tu ne l'as pas trompé. C'est ça. Ben, on est rendu comme ça. À peu près. À peu près, ben c'est Radio-Canada est un peu comme ça.
On l'a vu la semaine passée. Hey, écoute, c'est quand même grave, là, Max. Jean Charest a une enquête de police sur lui, puis à Radio-Canada, ils mettent ça en deux nouvelles, 25 secondes. Hey, à un moment donné, là, t'as le premier ministre. La veille, il analysait l'accord de libre-échange, parce que Donald Trump voulait ouais. faire la lettre, ouais. là. Ouais, ouais. La veille, Jean Charest était l'invité de Pierre Bruno. Oui, oui. Était l'invité de Pierre Bruno pour analyser l'accord de libre-échange. Puis Luc Lavoie qui dit « Pauvre petits-enfants de Jean Charest, c'est-tu pas effrayant? » Bon, ben écoute, c'est rendu une grande comédie. C'est burlesque. Ça n'a aucune autre. Écoute, c'est indescriptible. Puis comme tu dis, en plus, ils vont être élus parce qu'ils ont tellement bien placé deux pions. C'est pas parce qu'ils sont plus brillants que les autres. Mais eux autres, ils savaient qu'en nous rentrant tout ce que tu voudras, puis en nous enfonçant dans le gorge l'immigration, en nous disant que ça allait être eux autres qui allaient nous sauver, quand on sait pertinemment que la simple logique dit que c'est ça qui va nous faire périr en tant que nation, en premier lieu, puis deuxièmement, parce que le coût énorme que ça apporte sur les avantages sociaux, les bénéfices sociaux, on sera jamais capable de supporter ça. Écoute bien, là, ils arrivent ici, mon ami, ils ont un ou deux styles, puis ça bride comme des démons. Ça va tout avoir 7-8 enfants. Bien souvent, ils ont 2-3 femmes. Puis là, en plus de ça, t'as Denis Coderre qui a nommé Montréal ville ouverte. Ville ouverte. Sanctuaire. Ça a l'air qu'il y a 12-13 000 sans-papiers qui sont dans la ville. Ça va peupler aussi, ça, là, ces sans-papiers-là, là. Mais pendant ce temps-là, Max, c'est pas grave. Philippe Couillard, ben là, il s'apprête à mettre une grande consultation sur le racisme systémique. Systémique, ça veut dire, mesdames et messieurs, là, organisé en système. C'est plutôt son parti qui est organisé en système de mafia. Ben ouais, mais il n'y a pas d'opposition. Tu comprends? Tu regardes ça. Tous les jours, puis que l'opposition, écoute, ils essayent de faire leur possible, là. Je ne dis pas qu'ils n'essayent pas, mais ils sont un petit peu tous pris dans le même piège. Tu regardes encore le Parti québécois cette semaine qui sortait, ben là, il faut parler aux communautés culturelles. Hostie, vote pas pour toi. Crisse-moi patience avec ça. Parle à ta base. Parle aux tiens. Tu vas peut-être avoir une chance de gagner. Peut-être. Mais pas, mais là, en essayant. En plus, quand ils font ça, ils subdivisent encore plus le vote parce qu'ils font choquer des gens comme toi et moi. C'est ça. Ils subdivisent le vote. Mais pour ce qui est de cet appareil-là, c'est une grosse comédie. Écoute, c'est une grosse farce. Les députés libéraux qui disent, eux autres, ça serait facile à arrêter de traverser la chambre. Vous n'avez pas le cœur de traverser la chambre? Ben écoutez, ben venez plus vous lamenter, ma bande de calices. Ah, puis qu'ils viennent pas, ils sont pas capables de traverser la chambre, qu'ils viennent pas chialer comme quoi ils se font traiter de corrompus, là. Parce que, on regarde encore à soir, tu sais, une autre enquête de police sur Violette Trépanier, puis ça, c'est pas fini, là. Peut-être qu'il va y avoir d'autres choses. Non, mais c'est parfait. Les enquêtes de police, c'est excellent, là. Ça va s'arrêter de là. C'est nous qui les nomment la police. Ben non, parce qu'une fois que l'enquête est partie, tu peux pas poser de questions, parce que là, ils sont en enquête. Il faut pas bousiller l'enquête, ce qui fait qu'on répond plus aux questions. Ça, c'est aussitôt que l'enquête est commencée, on répond plus à rien. C'est un peu de même qu'ils vont agir. Fait que, mais par contre, est-ce que tu penses, mesdames et messieurs, vous êtes en compagnie de François Saint-Louis, Max Bradette, le coloré Max Bradette qui est avec nous à chaque mercredi soir. Est-ce que tu penses, Max, que les trois enquêtes, là... Ça va finir en queue de poisson. Il va y avoir des élections. Là, ça va être enterré par le... La commission sur le racisme. Le spectacle qu'on va nous donner. On va nous faire parader deux, trois têtes à claque, là, à la commission qui vont venir faire se donner en chaud. Là. Moi, j'ai peur de ça, Alain Will, ça a tête. Ça vient pas de nous autres. Ils vont mettre 3-4 Hillbillies, là, qui vont venir nous donner un chaud. Puis ils vont passer ça en boucle sur les réseaux sociaux, puis à TVA, nouvelle. Ils vont passer ça, mon ami. Puis là, plus ils vont en pogner un câble, un Elvis Gratton qui est soi-disant raciste, mais c'est juste parce que il est pas trop brillant, là, qu'il y a 12 de quotient.
Ils doivent être prêts d'en chercher, là, du monde qui vont parler à la commission. Oui. Ils vont en sortir quelques-uns. Ils vont quasiment passer des annonces d'un journal pour en trouver un. Ils vont aller t'en chercher à cette île-là, qui n'a pas vu un immigrant de sa vie, là. Ils vont dire, moi, là, écoute, là, j'ai peur qu'ils viennent poser des bombes à cette île. Faites-vous en pas, ils n'auront pas posé de bombes à cette île. Il y en aura des bombes, là. Il y a de la dynamite en masse avec le plan Nord. On n'a pas de trouble avec ça. Mais ils vont en trouver un. Faites-vous en pas, ils vont nous en trouver deux, trois, là, des qui vont venir parader. Là, ouais. Hey, moi, là, me dire de quoi, là, j'ai peur de ça, là. Al-Qaïda. Al-Qaïda est chez nous, là, à Shefferville. La ville est parmenée, mais c'est pas grave. Ils vont en trouver trois, quatre têtes de robeurs de même, là. Puis là, ils vont nous donner un choix avec ça, ils vont nous passer ça en boucle. Pendant ce temps-là, les amis libéraux, le pizzo va rentrer, les élections vont s'emmener, puis on va en faire en tabarnak de l'argent, mon ami. Casse-t'en pas la tête, des contrats, ça va rentrer, l'été s'en vient, nos amis sont bien soignés. Denis, t'es sûr? Oui, tout est beau, mon Denis, c'est parfait. Tu vas avoir ton pizzo, mon Denis. Fais-toi-en pas, mon Philippe, ça va rentrer aussi. Il y en a, mais non, on va mettre une couche d'asphalte de moins, on va la refaire dans deux ans, il n'y a pas de problème. Il va y avoir des trous, mon ami, puis l'argent va rentrer en estime. Les customers, les Québécois, vous allez payer. Alors, regardez, là, il y a un gars qui m'a montré son rapport d'impôt. L'année passée, il a gagné 13 800 piastres. Ça lui coûte 640 piastres d'impôt. Combien? Parce que là, il a gagné 13 600 piastres, OK? Mm. Puis, brut, là. C'est brut, là. Ouais. Il faut qu'il lui envoie 600, là, avec les déductions, puis tout. Mais il lui a redoué 604 piastres d'impôt. T'es coeur, hein? Écoute, le gars... Mais on a donné un abri fiscal à ceux-là qui ont 1 million et plus, là, qui font 1 million et plus. Ils ont un abri fiscal, eux autres, là. Ça n'a aucun style bon sens. C'est un désastre monumental. Je vais te dire de quoi, là. Même pas capable, au moins quand t'es au hockey, comme on disait, tu peux baisser tes gants dans la collision en pleine face à l'autre en avant de toi. On est même pas capable, qui sait ça, c'est sans mâchoir quand ils viennent te dire des conneries si, comme ça. Max, tu peux te dire, il y a quelques commentaires qui arrivent là les réseaux sociaux. Il y en a un de ceux-ci qui dit, sûrement, si on ouvre le rapport... je ne sais pas trop quel rapport on parle, mais cela risque de faire tomber les libéraux. Moi, je pense pas que les libéraux tombent pour la seule et unique raison que, comme tu disais, Max, tantôt, il n'y a pas un des Ouellet, des Poitiers qui sont capables de traverser la Chambre. Fait qu'ils tomberont pas. Ils sont solidaires. Et puis, même que qu'un petit... Un petit ministre, là, puis je peux te dire, c'était pas fort, ça n'a jamais été fort, sa mamade. Lui, il a juste démissionné, mais les autres démissionnent pas. Puis ce qui veut dire que le gouvernement peut pas tomber tant aussi longtemps qu'il n'y a pas des députés libéraux qui traversent la Chambre. Tu sais, ouais, OK, Jean-Marc me répond, le rapport qui a été fermé pour les 80 prochaines années. Bon, ce rapport-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est, on protège les premières, deuxièmes, troisièmes générations. On veut même pas savoir ce que le grand-père faisait, parce qu'ils ont peur que les petits-fils sachent ce que leur grand-père faisait. Fait qu'ils ont bloqué le rapport pour 80 ans. Donc, mais encore une fois, merci Jean-Marc de la précision, mais s'il n'y a pas de députés libéraux qui traversent la Chambre, puis que les libéraux sont réélus en 2018, ben là, est-ce que le PQ ou la CAQ, s'y était élu, pourrait le rouvrir, ce rapport-là? Tant secret que ça? Je sais pas. Je connais pas les... Non, mais mon pauvre, toi, là, de toute manière, je suis convaincu d'une chose, moi, là, quand tu regardes, tu parles du rapport, mais on n'a même pas besoin de ce rapport-là. Ça fait longtemps que ce gouvernement-là devrait avoir tombé. Tout ce qui sort de malversation, de cochonnerie, de saleté, puis ce rapport-là, ce serait plus du tu rajoutes encore de la crème sur le gâteau qui est déjà plein de crème, mais en vérité, il n'y a pas rien qui peut faire tomber ce gouvernement. Il n'y a plus rien. Le système est tellement bien monté, l'organigramme est tellement puissant, la division du vote, c'est en rentre 50 000 par année qui votent libéral, t'es place à des endroits stratégiques. Tout était tellement bien pensé. Ils ont tellement mis, tu sais, au niveau du crime organisé, ça me fait penser
dans le temps de Lucky Luciano, puis quand ils ont bâti cette fameuse histoire de Murder Incorporated, là. Tu sais, là, c'est que ceux-là qui décidaient ce qui avait le droit de vivre, ce qui avait le droit de mourir, puis c'était chirurgicalement parlant, quand c'était le temps d'en descendre un, il y en avait un qui allait faire la job, c'était structuré. Ben, le gouvernement libéral, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Il a structuré, écoute, c'est toutes les nominations politiques dans les commissions d'enquête, dans les commissions, dans les organismes paragouvernementaux, c'est de ça qu'on s'est emparé. On s'est emparé de l'appareil gouvernemental, y compris l'appareil de justice, puis c'est pour ça que tu pourras plus jamais les battre. Tu pourras plus jamais les battre parce qu'ils ont leur monde à bonne place et ça va du directeur des élections du Québec. C'est, écoute, ils ont collecté 10 millions pendant 10 ans, puis il y a eu des petites enquêtes, puis ils ont toujours été blanchis. C'est, écoute, le 10 millions, je ne ferai pas enquête en attendant, là. Je veux bien clair que le système était rodé, là, mais ça devait déborder à un moment donné à des endroits. Pendant que les autres collectaient 1 million, 1,5 million, les autres en collectaient 10 fois plus. Ça s'est jamais vu. T'avais assez d'argent pour faire une campagne. T'avais assez d'argent pour faire une campagne au niveau national. À la grandeur du Canada, t'aurais pu faire une campagne électorale avec l'argent que les libéraux collectaient, là, que le Parti libéral du Québec collectait. C'est une machine, elle l'a dit, Violette Trépanier, c'est une machine à fabriquer de l'argent. C'est une machine à fabriquer de l'argent. Fait que là, les prochaines élections s'en viennent. On se dit, oh, ça, 10-15 millions en banque, peut-être plus. Ils ont des immeubles qui leur appartiennent. Ils sont dans tout. Ils sont dans le crime organisé, ils sont dans la prostitution. Certains qui sont dans tout. Ils ont des gens, ils ont des tentacules partout. Puis il faut pas que tu penses, là, ce que tu vois, là, quand tu penses que Montréal est la ville où tu as le plus d'exploitation sexuelle, où tu as le plus de trafic sexuel à Montréal, c'est parce que, sans dire que la police, je te dis pas que la police fait pas sa job, mais il y a des gens qui sont protégés. Ah, c'est clair. On n'a plus besoin de faire venir des danseuses exotiques comme Denis Coderre faisait. Les centres jeunesse font job. Ah, puis il y a de la, je dirais même, ça c'est à part, tu parles des centres jeunesse. Tu vas voir, ça va sortir dans quelques années. Tu parles des centres jeunesse, Max, mais tu parles pas, par exemple, puis ça t'oublies, là, ben, je sais que tu le sais, mais les sans-papiers. Les centres jeunesse, on sait c'est qui les petits jeunes qui sont là, mais les sans-papiers, on ne saura jamais. Et puis, là-dedans, comment est-ce qu'il peut y avoir de femmes qui sont exploitées là-dedans? Écoute, il y en a une puis une autre, là, mais sauf que on revient à la même chose, c'est que même s'il y a une ou deux autres enquêtes qui sortent, qui disent on enquête sur tel ou tel député... Ça a plus d'importance. Ouais, c'est plus bon, c'est pas grave, il n'y a pas de danger. Ils peuvent enquêter sur tout, ils sont corrompus à l'os du premier au dernier. Puis ça, ils veulent pas qu'on dise... Moi, j'ai hâte de voir... Du premier au dernier, parce qu'ils ont tous été élus avec de l'argent sale. Oui, mais moi, Max, moi puis toi, on connaît probablement la réponse à quelques points de pourcentage près. Mais j'ai hâte de voir si jamais là, les G-Marketing certains sondages, puis les libéraux étaient à 35% encore d'un sondage, ou 38%, parce qu'ils ont monté à 39% il y a 3 semaines à peu près. Le PQ a baissé, puis la CAQ s'est maintenue à 22%, le PQ a baissé à 25%, puis les libéraux ont monté de 4-5 points. Imagine-toi s'ils remontent encore, ça serait le bout de la merde. Puis c'est probablement ça qu'on en est rendu, probablement à ça. C'est ça le pays. Fait que... C'est ça que... C'est pas rien que ça, le pire, c'est une vérité de la police. Il n'y a plus personne, écoute, il n'y a pas, comme je t'ai dit, la seule chance pour les discréditer, c'est que tu aurais une vingtaine de députés qui décideraient de traverser la Chambre, ouais. De siéger indépendant. Mmh. En siégeant indépendant, là, ça mettrait le gouvernement en péril. Mmh. Puis là, ces gens-là se diraient, bon, ben, on va faire un gouvernement de coalition pour redonner confiance au peuple. Mais ils n'ont pas besoin de redonner confiance au peuple. Le peuple s'en calisse. Le peuple, là, je te l'ai dit, on est d'une société de voleurs, de tricheurs puis de menteurs. Fait que le peuple fait partie de cette société-là. L'avoir, c'est le bien paraître. Le beau costard, puis être reçu dans où il y a des petits sandwichs pas de croûte, puis dire encore, ça c'est monsieur le député, ça c'est monsieur le ministre. Puis la Sagouine, elle l'avait dit, mettez des belles habits à un crasseux,
puis vous verrez plus la différence. Avec, elle avait absolument... Puis là, ce qu'on a, on a un gouvernement de crottés, de crasseux. C'est pas même plus compliqué que ça. C'est des charognes. C'est de la charogne. C'est un gouvernement de charogne qui gouverne en charogne. Mais qui achète, justement, parce que tu as des collabos du système, qui sont les médias les importants, qui sont écoutés, c'est à des collabos qui servent la mafia libérale, ce qui se trouve vraiment à hypothéquer l'avenir du peuple québécois puis l'avenir des francophones. C'est là qu'on en est rendu, malheureusement. Ouais, tout à fait. Quand vous arrivez puis qu'elle reparle avec quelqu'un puis qu'il s'en vient me parler du Parti québécois, là, qui était là 18 mois, puis écoute, s'il y en a bien un, là, qui n'a pas encensé Pauline Marois, mais là, il a arrêté, là. Ils ont été là 18 mois dans 10 ans, 12 ans, là. Arrêtez-moi ça, là. Puis la machine libérale, c'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir, la machine libérale. Ils étaient tellement bien rodés qu'ils n'étaient pas inquiètes, là. Quand ils ont décidé, bon, que Pauline a décidé, d'abord, c'est eux autres, stratégiquement parlant, qui ont poussé Pauline à faire des élections. Ben parce oui. que Pauline, oui. Oui. ils l'ont poussé à faire des élections en lui faisant craindre avec des sondages bidons qui étaient en avance, qui étaient... T'sais, elle était tellement, là, naïve, puis niaiseuse, dans le sens, puis pourtant, c'est une vieille politicienne, que penser que les sondages étaient... Ils contrôlaient déjà tout ça, ça faisait des années, des libéraux. Les sondages... Écoute, ils ont inventé, ils ont fait des sondages qui étaient faux aux îles de la Madeleine. Ils étaient en arrière, ils ont fait à craindre que le candidat était en avance, puis ils ont viré ça de bord, puis finalement, les îles de la Madeleine, je me souviens plus dans quelle élection... Chose, le monsieur 2% à Ville de Montréal, là, il l'avait raconté, ça, qu'il avait fait commander un sondage bidon, là. C'est toujours, toujours la même chose qui s'est produite avec eux autres. C'était la même affaire. Il y a des dirigeants du PQ, Max, là, qui ont déclenché des élections, là, avec des sondages de crop la presse. Puis là, crop la presse les mettait gagnants, mettait le PQ gagnant. Paf, on déclenche les élections. C'était un faux sondage. Et puis ça, c'était pas Pauline Marois, c'était avant ça. Puis ils ont déclenché les élections, puis ils ont perdu. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un gars qui travaillait pour le PQ. Il s'appelait Michel Lepage. Là, aujourd'hui, il n'est plus là, là. Mais lui, il a travaillé depuis le début avec René Lévesque puis Parizeau. Puis lui, il était expressément engagé pour faire des sondages. C'était un des meilleurs au Québec. C'était un scientifique. C'était un gars... Il t'a dit, le gars, là, il connaît... c'était un astronome, là. Puis lui, puis je le connais, Michel, là. Lui, il faisait un plan de vol pour des avions, pour des pilotes d'avions. Descend à 10 000 pieds parce qu'il y a tel nuage qui s'en vient. Puis c'était un gars... C'était un génie. OK? Puis lui, il a été, d'un chiffre, il est parfait. Il a tout fait des sondages pour René Lévesque, Parizeau. Là, ils l'ont mis dehors, là, vers les années 2000, à peu près. Puis là, ben, depuis ce temps-là, ils n'ont jamais pu avoir l'heure juste, le PQ. Puis là, ils se fiaient sur des sondages de crop, imagine-toi. Puis effectivement, ce que tu disais tantôt, ben, des faux sondages, ils ont déclenché les élections avec ces sondages-là. Puis sont fait battre à ça. C'est ça les stratèges qu'on a au PQ depuis un bout de temps. Puis moi, j'aime pas ça dire ça, parce que ça a toujours été mon parti, le Parti québécois. Puis René Lévesque, ça a été ton homme, toi, Max. Je sais que ça a été ton homme, René Lévesque. Puis moi ici, ça a été l'homme du peuple. Ça a été le Maurice Richard de la politique, René Lévesque. Puis encore peut-être plus que ça. René Lévesque était aimé partout. Tu sais, il y a bien du monde qui aime pas le hockey. Fait que Maurice Richard s'en fout un peu. Mais René Lévesque, tout le monde l'appelait petit poil. Tout le monde était René Lévesque. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. On n'est plus là, là. Tu sais, Jacques Parizeau, là, c'était le plus grand économiste avec Alphonse Desjardins depuis 1900. Et puis, tu sais, quand on voit c'est un... C'est parce qu'il faut se mettre dans... Il n'a plus d'homme d'État. Ouais, il n'a plus d'homme d'État. Mais c'est que... Puis eux l'avaient compris, c'est eux contre nous. Mais ce qui est arrivé, là, depuis les élections, c'est même facile à comprendre. Quand Bernard Landry a perdu le pouvoir, mais tu sais que Jean Charest a été élu minoritaire, là, la stratégie qui est en place par la mafia libérale, par la suite, tu as vu l'immigration, ils nous n'ont rentré en Estie, ils nous n'ont enfoncé. Ils savaient pertinemment, là, avec ce qu'ils voyaient là, c'était l'une des dernières chances là, que les Québécois francophones, majorité, étaient encore majoritaires, pouvaient prendre le pouvoir en choquant parce que démographiquement parlant, il y avait encore la majorité. C'est à partir de ce moment-là que les stratèges libéraux
ont travaillé au niveau des comtés, mais ils ont également travaillé au niveau de l'immigration pour s'assurer que plus jamais le gouvernement du Parti québécois pourrait être majoritaire. C'est ça, là, que la CAQ réussirait à prendre le pouvoir minoritaire, ça leur fait pas véritablement peur. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi, c'est à peu près les mêmes stratèges politiques, puis au niveau économique, c'est à peu près la même chose qui se produirait. Parce qu'à partir du moment où tu as vu arriver Charles Sirois avec François Legault, tu vois que c'est un petit peu la même ligne de pensée. Là. C'est un petit peu la même ligne de pensée. Et malheureusement, notre ami Jean-François Lisée, là, qui est... Lui, il est content d'être tout ce qu'il est. Il a toujours voulu être le calife, là. Il était le porteur d'eau de Bourassa. Il n'y avait pas de Bourassa. Il était le porteur d'eau de Lucien Bouchard en disant qu'il écrivait quelques discours. Mais quand c'était le temps, c'était un autre collabo. Il était avec Jacques Parizeau. Mais quand c'était le temps de le trahir, il l'a fait également en disant, moi, jamais j'aurais laissé dire ça, jamais ci, jamais ça. Ça, t'appelles ça un lâche. Quand t'es dans une équipe puis que t'étais aussi près qu'il pouvait être de Jacques Parizeau, puis le comportement de la manière que c'est, t'appelles ça un lâche. Puis moi, un lâche, je suis pas capable, j'ai bien de la misère avec ça. Et Jean-François Lisée, là, était comme Ponce Pilate, mais était comme Judas quand il a trahi Jésus. C'est exactement ça que c'est. C'est un Judas, Jean-François Lisée. Et tu le vois là encore avec les cégeps, les gens qui veulent des cégeps francophones, lui, il veut pas se prononcer. Faut têter plus l'immigration. Puis il s'est mis 3-4 lichutes d'arrière d'arabe avec lui pour essayer d'avoir quelques votes. Quand tu sais pertinemment, toi puis moi, qu'il n'y a pas 10 arabes qui vont voter pour le Parti québécois pour les élections, là. Et il y en a pas 10 qui vont voter pour le Parti québécois. Fait que c'est une autre perte de temps et on va perdre l'élection en 2018 parce que stratégiquement parlant, on ne fesse pas sur le bon clou. Parce que présentement, le clou avec ce qui se produit, c'est de remplacer ce gouvernement corrompu-là, quitte à faire des alliances, quitte à faire ce qu'on parlait la semaine dernière. Faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on sorte, faut qu'on leur dicte la ligne de conduite aux partis d'opposition. Parce que ça presse, là, c'est bien beau, comme on dit, l'indépendance nationale, pis ci, pis ça. Puis là, t'as notre ami Guy Bertrand, un des premiers à qui j'ai donné une chance aussi de parler de son projet Liberté Nation, là. Mon ami Guy, il est bien renti, mais il vient qu'il se prend, que ça y monte à la tête, tu sais, parce que CGMS en dernier, c'était plus assez gros pour lui, là. Tu comprends, là? Mais il a été le premier à parler de son projet Liberté Nation, qui a du bon sens en tant que tel. Mais là, encore là, c'est beau de parler de l'indépendance nationale, mais le gros fait d'armes, il faut absolument se débarrasser du Parti libéral, parce que si tu te débarrasses pas aux prochaines élections du Parti libéral, l'indépendance nationale, elle ne pourra même plus être faisable, parce que les leviers économiques qui avaient été donnés aux Québécois leur sont enlevés graduellement. Ils sont hypothéqués, qu'on pense à Hydro-Québec, qui était le levier économique. À partir du moment où on aurait pu être l'Arabie Saoudite de l'électricité, mais qu'on a détourné ça, la Caisse de dépôt, la même chose. Écoute, quand c'est rendu que la Caisse de dépôt est rendue, que ouvertement, parce que ça, les gens n'en ont pas parlé, j'aurais aimé ça d'en parler avec M. Lehir et poser la question. Quand c'est rendu que la Caisse de dépôt est rendue qu'elle se cache même plus pour envoyer de l'argent dans les paradis fiscaux. Écoute. Il n'y a plus rien là. C'est pas grave, c'est rendu, tu l'as dit au début. Ça devient normal. Ça non, devient normal. Tu sais, je veux dire, là, écoute, toi, essaye de faire ça. Écoute, je te l'ai dit. Là, pense-y, mon gars. Le gars, 13 000 piastres, il doit 600 piastres. Pense-y, mon gars qui a gagné 13 000 piastres, là, ouais. qui a eu sa facture d'impôt 604 piastres. Qui essaye de ne pas en payer pour voir. Non, mais c'est pas ça. Tu vois où je veux l'emmener. Le lendemain matin, il ouvre le journal et il voit que Michael Sebia a envoyé de l'argent pour la caisse de dépôt d'un paradis fiscaux. Mets-toi à sa place au petit gars ou au gars là, qui a gagné 13 000 piastres. Écoute bien, là. T'es en dessous du seuil de la pauvreté. Que je te dis, t'es à 200 piastres, 250 piastres par semaine. Là, puis en plus, il voit François qui se sont séparés 11 millions en bonus. Ouais.
à la Caisse de dépôt. Lui, il paye 11 000, il envoie ça dans les paradis fiscaux. Puis là, il trouve ça tout à fait normal. Ils sont en commission parlementaire, puis il trouve, puis là, c'est tout à fait normal. Tu comprends ce que je veux dire? Tout est normal. Ouais. On envoie, écoute, je fais que c'est... Pendant ce temps-là, le gars qui gagne... C'est pour cette raison que je pense de plus en plus qu'on n'a pas le choix. Il faut s'organiser. Il faut sortir. Il faut dénoncer. Puis il faut dire aux partis d'opposition qui sont vides d'idées. Ouais. Tu ne trouvais pas Gabriel Nadeau-Dubois qu'on va se mettre sur Gabriel Nadeau-Dubois. Quand c'est rendu que tout le monde... C'est Gabriel Nadeau-Dubois qui dicte l'agenda du Parti québécois. Oui, c'est terrible. Écoute, parlant de s'organiser, Max Bradette, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Cette semaine, tu sais, la semaine dernière, on a parlé de commencer à s'organiser, puis j'essaie de cogiter, de trouver une salle, là. Mais avant de te parler de tout ça, tantôt, là, parce que j'aimerais sûr qu'on s'en parle après 22h30, 22h35, j'aimerais t'entendre pour, parce que t'as envoyé une publicité ce soir, et puis tu parles du derby du Kentucky. J'aimerais ça, c'est parce qu'il y en a bien du monde qui vont gager là, en fin de semaine. C'est pas tout le monde qui est... C'est parce que la publicité... Il paraît qu'elle est bonne. C'est pas qu'elle est loin d'être bonne, elle est sarcastique. Écoute, ils ont payé, je sais pas comment, qui ont donné d'argent. Ça passe dans les télévisions, ça passe à la radio à 98.5. Elle dit absolument rien, cette publicité-là. C'est ridicule. C'est ridicule. C'était humoristique ce que j'ai mis. Ah, je l'ai pas vu, j'ai même pas écouté. C'est parce que tu as dit toute une publicité. 15 secondes, j'ai vu ça, mais parce que pendant que je te parle, je peux pas entendre ce qui se dit, là. Mais parce que tu dis pas grand-chose. Je sais pas, je l'ai pas entendu. Mais tu l'as dit plus que d'autres, que c'est le derby du 4 Dakar en fin de semaine. Ouais, bon, donc y a-tu quelque chose à surveiller là-dedans, là? Je te dis, mesdames et messieurs, on dit pas, là, si Max là, vous donne un conseil ou deux, là, pour gager sur un tel ou tel. Parce que le derby du Kentucky, c'est une course mythique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à tous les premiers samedis de mai, puis tu sais, les grands champions passés par là, puis c'est l'événement dans le monde des courses et des courses au galop. Il y a combien de monde qui assiste à ça? Combien est-ce qu'il y a de monde qui assiste sur place? 70 000 personnes pour avoir une course quand tu as les trois, c'est la première tranche de la triple couronne. Après ça, ils s'en vont. Ouais, 15 jours plus tard, ils s'en vont à Pimlico, à Baltimore, pour le Preakness. Et la dernière, c'est à Belmont, pour le Belmont Stakes, qui est la course la plus dure à gagner parce que c'est la plus longue. Puis quand tu as un gagnant de la première puis de la deuxième course, c'est généralement à Belmont, il y a 100 000 personnes. 100 000? On se souvient, il y a quelques années, il y avait le même gars qui a gagné il n'avait pas gagné à troisième, je pense, hein? Oui, mais là, il y a 2 ans. 2 ans, c'est ça. Il y a 2 ans, il était gagné. American Pharoah a gagné les trois. Ça faisait depuis affirmé en 1977, je pense, qu'il n'y avait pas eu de gagnant de la triple couronne. Ça faisait au-delà de 40 ans qu'il n'y avait pas eu de gagnant de la triple couronne. Puis il y en a eu un, American Pharoah. Cette année, il y a un beau peloton. Samedi, il y a 20 chevaux. C'est quelque chose à regarder. Les gens, là... C'est à quelle heure? Il y a un reportage qui commence à 4 heures à NBC, à la télévision américaine. Je vous recommande de regarder ça. Ils montrent les fermes, les contenders. Vous allez voir vraiment, là, c'est quelque chose à voir. C'est l'attraction. On dit que c'est les 2 minutes les plus enlevantes dans tout sport confondu, puis c'est vrai. Puis il y a des courses plus où ce que la bourse est plus haute. La bourse est seulement que de 2 millions d'orbites du Kentucky. C'est pas tellement gros. Il y a maintenant des bourses de 12 millions. Puis en Arabie Saoudite, là, il y a une bourse à Dubaï, il y a une bourse de 10 millions. C'est bien plus gros que le derby du Kentucky. Mais tout le monde rêve, c'est de gagner le derby du Kentucky. Oh ouais, c'est comme le 500 000 d'Indianapolis, ça. Non, c'est pas comme le 500 000 d'Indianapolis. Non, c'est plus parce gros. Parce que le 500 000 d'Indianapolis, tu peux y aller une autre année avec le même char. Le derby du Kentucky, c'est seulement pour chevaux de 3 ans. Ça veut dire que si tu le gagnes pas, tu peux pas te reprendre. Ah, OK, c'est bon. C'est une course spéciale pour chevaux de 3 ans. C'est réservé à des chevaux de 3 ans. C'est les meilleurs 3 ans en Amérique. Autrement dit, il y en a qui viennent de l'extérieur aussi, parce qu'il y en a qui viennent de plus en plus d'Europe, puis il y en a qui viennent de Dubaï, il y en a qui viennent du Japon. C'est pour ça que tu as un gros peloton, 12. C'est l'attraction de l'année.
à Churchill Downs. Et je peux vous dire quelque chose, c'est tout un spectacle. Est-ce qu'il y a un cheval qui faut que les gens misent dessus, qui ont des bonnes chances de faire de l'argent ou... Écoute... Parce que je sais qu'Anthony, il était bon. C'est égal cette année. Hein? Ouais. C'est un peloton qui est égal. Ils ont tiré les positions aujourd'hui. Mm-hmm. Le tirage des positions s'est fait aujourd'hui. Je sais qu'il y avait un partant. Je n'ai pas commencé à analyser la course encore. Je vais mettre mes choix sur... samedi, je vais mettre mes choix en début de journée sur Amateur de course de chevaux, le site Facebook Amateur de course de chevaux. Les deux dernières années, j'ai réussi à donner des gagnants. Mais c'est sûr qu'American Pharoah, il était assez facile à donner, c'était le meilleur. L'année dernière, c'était plus difficile. Il y a eu California Crown aussi que j'avais réussi à donner. L'année dernière, c'était un petit peu plus difficile. Mais cette année, ça semble être un peloton. Ils ont tous pas mal des chances de l'emporter. Et je sais pas si tu as parlé à Anthony, mais Anthony, mesdames et messieurs, c'est le fils de Max qui est assez bon aussi. Là, je peux te dire une chose, il est très bon analyste, Anthony. Est-ce que tu as parlé à Anthony? Pas de là-dessus? On n'a pas regardé encore. On va regarder ça parce que, comme je t'ai dit, le programme n'était pas sorti. Okay. On savait un peu les contenders, ceux-là qui allaient partir, les aspirants. Mais là, avec le programme, les positions de départ, c'est notre plaisir d'analyser ça. Moi, là, dans l'année, écoute, je suis les courses sur l'air, j'étais dans ça. Mais moi, samedi, là, dans ma journée, là, ça, c'est ma journée. J'écoute ça, là. J'écoute le reportage de NBC. Ils font des avec les entraîneurs. Ils discutent avec les entraîneurs. Souvent, ils vont te parler. Puis souvent, là, quand t'es en entraîné, ce qui est plaisant, c'est que tu vas regarder le comportement des entraîneurs. Puis souvent, tu vois un petit peu, quand tu l'as déjà fait, tu vois ce qui leur passe dans la tête un peu. Tu sais, je veux dire, tu vois s'ils sont inquiets. Des fois, tu vois qu'ils sont inquiets, c'est parce que le cheval n'est pas à leur goût. Il n'a pas traîné comme il aimait. C'est toutes des choses que j'aime beaucoup regarder. Et puis, c'est tellement grandiose. C'est l'événement de l'année. Puis, comme je t'ai dit, il y a des plus grosses courses que ça, avec des plus grosses bourses. Là. Quand tu pars pour 10 millions, c'est beaucoup plus. Mais tu demanderas aux gens... Tu demandes aux propriétaires de chevaux quelle est la course que vous aimeriez gagner. Ils vont tous te dire le Derby du Kentucky. Mm-hmm. On avait un peu la même chose au Québec. Quand tu as eu le prix d'été ici, là, le prix d'été qui était une des courses les plus prestigieuses en Amérique du Nord, c'était reconnu mondialement le prix d'été. C'est comme Blue Bonnet dans le temps, l'Hippodrome de Montréal, mais Blue Bonnet qui était une marque connue mondialement, Blue Bonnet. Ça a complètement disparu de la carte. Ça faisait partie des racines des Québécois. Et à Québec, là, on a débâti un monument qui s'appelait l'Hippodrome de Québec. L'Hippodrome de Québec, là, c'était un monument historique. Ça avait été justement bâti. L'Hippodrome de Québec, elle a été bâtie sur le modèle de Churchill Downs, où est-ce que se court le Derby du Kentucky. Là. Le Churchill Downs, c'est quoi, 1847-1846 que c'était bâti, avec le fameux tour. Il y avait deux grandes tours, là, mais les deux seuls qui avaient des tours comme ça, c'était l'Hippodrome de Québec. L'Hippodrome de Québec, elle avait été bâtie en 1896 ou 96, 97, 97, un de ces trois années-là. Et elle avait été bâtie sur le modèle de Churchill Downs. Elle avait été rénovée, mais on avait gardé ces tours-là, les tours comme à Churchill Downs. Puis quand on a vu là qu'ils ont décidé de bâtir le Colisée, qu'ils ont tombé dans ça, écoute, ils ont tombé dans ça avec la grue, puis ils t'ont fait descendre ces deux tours-là. C'est épouvantable, épouvantable ce qu'ils ont fait à Québec. Ils ont détruit un monument historique. C'était propre à Québec, là. C'était parce que, tu sais, c'était pas une bâtisse qui tombe en morceaux, là. Ah non, c'est un monument. C'était propre, là. Puis là, je sais pas si c'est le stationnement ou le Colisée qui tue, là. Mais je peux te dire une chose, ça n'a pas été trop long avant qu'ils démolissent, qu'ils mettent la grue, qu'ils mettent la pépine là-dedans. Puis ça a pris, je pense, une semaine ou deux, même pas une semaine, c'était tout démoli. Ça n'a pas été trop long, là. Puis l'histoire ici, ça compte pas bien, bien, hein, Max. T'as le 375e de Montréal, on a mieux, Gilles Proulx me disait, il y a mieux faire passer des boum-boum que parler de Maisonneuve, de Jeanne Mance, les fondateurs de Montréal. Ça, c'est pas important, ça. Ça, c'est une fête. C'est une autre affaire pour satisfaire les c'est amis. C'est ça. Puis le niveau, le milieu culturel. Puis, c'est ça. Remplir encore Gilbert Rozon. Puis Mirabel Charles Lebois. Gilbert Rozon qui s'est empli encore avec ça, là. Qui se promène au dragon en faisant croire qu'il était
C'est sûr, c'est un des hommes les plus riches peut-être au Québec, mais avec votre argent... Ben oui, des festivals juste pour rire, puis des festivals, tout ça. Un peu comme l'autre Taïfan, les taxis, là, ouais, qui sont subventionnés à 95% par le gouvernement du Québec. Là. Ça, ils appellent ça des hommes d'affaires. Ben, c'est justement ça, c'est le modèle libéral. Ça. Ouais. Comme ça, attends, là, juste pour revenir, là, pour tes prédictions, tu vas mettre ça où, là, samedi, vers quoi, midi, 1h, 2h? Sur le site amateur de courses de chevaux. J'avais pensé peut-être même faire une petite émission sur le web, mais je pense... Ben, on va... Non, je dis pas non, peut-être, parce que ça serait... Je veux dire, il y a un moment donné, t'en donnes, c'est comme si c'était une industrie que j'adore. J'en donne. Ouais. Puis, tout le temps. Quand l'ascenseur revient ramène, exact. Puis t'as aucune reconnaissance, qui mange la marde. C'est pas encourageant, puis tu te dis, ben, regarde, que le diable l'emporte, là, tu sais, c'est un peu comme... en tout cas, je veux pas revenir sur... on va reparler de politique tout de suite après la pause, là. Ceux et celles, là, si ça te tente-tu de parler au public, s'il y en a qui veulent te jaser un petit brin, Max? Ça fait toujours plaisir. OK, ben écoute, on va vous donner la chance, mesdames et messieurs, de parler à Max Bradette. Il pose une question. Si vous êtes pas d'accord avec lui, venez vous chicaner avec. Il est capable d'en prendre. Prenez-vous un bout de papier, un crayon, écrivez les numéros de téléphone, puis appelez-nous, gênez-vous pas. Il est pas méchant, là. Il vous tordra pas le cou. Fait que on vous attend tout de suite après. Ouais, puis en même temps, François, on va parler de, comme on disait, c'est bien beau, on pioche à la radio, mais on va le tenir, notre rassemblement. Oui, je veux te parler de ça, là. Non, n'aie pas peur, je l'oublie pas, là. Je cogite quelque chose. J'essaye. Ben, prenez un crayon, un numéro de téléphone. Appelez Max, mais on va reparler tout ça, l'Assemblée, là, tout de suite après. Parce que c'est bien beau parler à la radio, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des gens qui se mettent à bouger un peu, là. Fait que prenez-vous un bout de papier, un crayon, puis appelez-nous. Pour rejoindre François en studio, nous vous invitons à composer de la grande région de Québec, 418-263-2440. Je répète, 418-263-2440. De la région de Montréal, vous pouvez composer le 514-360-7181. Je répète, 514-360-7181. À travers l'Amérique, le Québec ou même nos voisins, le Canada, vous pouvez nous rejoindre en composant le 1-855-424-4684. S'il vous plaît, si vous êtes dans la région de Montréal ou la région de Québec, utilisez vos numéros locaux. Si vous voulez laisser un commentaire par écrit, vous pouvez toujours écrire à studio@radioinfocité.com. Je répète, de la grande région de Québec, 418-263-2440. De la région de Montréal, 514-360-7181. Merci. Et nous sommes de retour. Nous sommes de retour au Journal du soir en compagnie de Max Bradette. Max Bradette, on parlait avant la pause... cette semaine, j'essaie de penser à une salle pas loin d'un métro à Montréal pour voir si il y aurait pas lieu là, dans le temps, dans 5-6 semaines là, d'ici la Saint-Jean-Baptiste. Ça va vite, on est déjà rendu le 3 mai. De louer ça, puis donner la chance à certaines personnes. Tu sais, José Rivard, si elle veut venir... elle va venir prendre la parole, puis d'autres, puis évidemment Max Bradette, qui serait de la partie. Ben, je pense qu'il serait temps là, qu'il y ait des gens qui veuillent... Tu sais, vous avez bien beau nous écouter, puis de faire des commentaires, puis nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais à un moment donné, il faut peut-être en faire un petit peu plus. Et puis un petit peu plus, ben c'est peut-être faire un rassemblement. Et puis à un moment donné, c'est à quoi ça sert des rassemblements? Ça sert, oui, à se crinquer un peu, à se motiver, à s'encourager, mais aussi ça sert à d'autres choses. Puis je peux vous le dire, j'en ai été témoin. Tout au long de ma vie militante, c'est que ça développe des contacts. Il y a des gens qui se mettent en réseau, puis après ça, ben il y a des choses qui peuvent bouger. Et la suite, l'assemblée suivante, ben à place d'avoir 200, 225, 250 personnes, il y en a 350 puis 400. Puis c'est ça que ça sert aussi. Fait que moi, je pense que j'ai pas fait de téléphone encore, j'essaie de localiser un endroit qui pourrait être accessible à tous et faire en sorte que les gens puissent
puisse venir t'entendre, Max, puis je pense que ça serait l'occasion d'ici la Saint-Jean-Baptiste, une occasion unique de réseauter le monde, puis aussi de lancer un message à l'opposition, comme tu disais tantôt. Mais c'est quoi que tu voulais dire comme message à l'opposition, Max? Ben, il y a un moment donné, ce qui prend, c'est de se débarrasser du Parti libéral. Écoute, ils ne sont pas capables de faire front commun ensemble, on sait pertinemment que les libéraux vont être élus. C'est ce qu'il faut, c'est pas qu'eux nous proposent un agenda, c'est nous qu'il faut qu'ils leur proposent un agenda. Leur donner la ligne de conduite, c'est par là que vous allez vous en aller. Puis en même temps, ça, interpeller directement, là, parce que les médias le font pas, c'est ça qui est malheureux, les députés libéraux là, qui disent, là, qui pleurent dans le soupe, ben, si vous êtes des hommes, traversez la Chambre, mon ami, allez siéger comme indépendant, puis renversez-les, ce gouvernement-là. Prouvez là, que vous êtes intègre. Parce que c'est bien beau de dire, ah non, moi, là, je suis pas dans ça, je suis pas dans ça. Mais ce qui me surprendrait pas dans cette histoire-là, là, c'est que tous les députés libéraux qui sont élus présentement ont été élus avec les 10 millions par année collectés par le Parti libéral. Faut pas se le cacher. Tous les ministres libéraux ont passé devant Marc Bibeau pour aller se confesser. Parce que Marc Bibeau, c'est le confesseur. Oui, tu marques, oui, on va collecter notre 100 000 par année. Sois pas inquiète, tu marques, puis il baisse sa bague. Je suis pas mal certain, Marc Bibeau, il y a une grosse bague avec un gros signe de piastre, puis tous les députés libéraux, en tout cas ceux qui vont être nommés ministres, doivent y embrasser la bague. C'est comme ça que ça doit marcher du côté libéraux. Fait qu'on peut plus endurer ça. On peut plus endurer le saccage de nos institutions. Faut demander à l'opposition qu'ils reprennent le contrôle de nos leviers économiques. En quelque sorte, la Caisse de dépôt et placement, Hydro-Québec, qui siège sur ses conseils d'administration des gens intègres, des gens propres, qui ne sont pas associés à des partis politiques. C'est extrêmement important qu'il y ait une impartialité. Également, qu'on ait un procureur indépendant qui soit nommé, qui puisse, avec une escouade, qui puisse ouvrir des enquêtes et qui ne soit pas nommé par l'Assemblée nationale. Ça prend un procureur indépendant qui peut ouvrir des enquêtes, comme dans le cas de Jean Charest, dans le cas de Marc Bibeau. Faut pas que ce soit le gouvernement qui le nomme, là. Faut qu'il soit à la solde de personne. Puis quand t'es trouvé coupable, que t'es un élu, que t'es trouvé coupable, ben, à ce moment-là, c'est une peine de prison automatique. Automatique. T'as mis la main dans le plat de bonbons, coupable. Peine. 5 ans de prison. José Rivard, t'es là, José? Oui, hello, José. Non, je m'appelle François Caron. Ah, François, excuse-moi, José Rivard va téléphoner dans quelques minutes. Salut, François, oui, ça va bien? Oui, je voulais pas interrompre, mais bonsoir, M. Saint-Louis, bonsoir, M. Bradette. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, je vais baisser ma radio parce que là, j'ai du feedback en délai. Oui, ben écoutez, je vous écoutais parler, hein, c'est pas la première fois que j'écoute, je pense que j'écoute depuis le début. Depuis 2014, là, que vous êtes en onde. Mm-hmm. Puis... Mais à ce soir, c'est ça, j'écoutais M. Bradette aligner ce qui se dit sur le Parti libéral. Puis quand on parle aussi de la Caisse de dépôt puis du projet du réseau électrique métropolitain, là, la commande de M. Couillard à M. Sabia pour faire à croire qu'ils font quelque chose sur la région de Montréal, là. Mais la chose vicieuse qui se prépare, c'est si le réseau électrique métropolitain livre pas les dividendes que la Caisse de dépôt voudrait, et ils vont en arriver à gratter les fonds de l'État pour pour justement payer le dividende à la Caisse de dépôt. Puis, ils vont en venir, à terme, d'après moi, à être capables de vendre tout le système de transport collectif de la région parce qu'ils vont avoir tiré, avec le réseau électrique métropolitain, tout le système vers le bas parce que ça va être un trou sans fond en dollars.
Et puis, c'est un but que d'après moi, c'est le Parti libéral qui observe ce but-là pour scraper les systèmes de transport collectif public à Montréal. C'est plus simple que ça, mon ami. Ce qu'ils ont fait présentement, c'est parce que là, le gouvernement libéral, avec l'enquête, ses contrats, puis tout ça, qui était surveillé, c'est qu'ils ont décidé de détourner tout simplement ce projet-là. C'est parce que là, tu pourras plus enquêter. Comme c'est la Caisse de dépôt, ils n'auront pas de compte à rendre avec les contracteurs à qui ils vont donner ça. Sûr et certain que c'est le gouvernement qui va payer à la longue, c'est le gouvernement, un peu comme ils ont fait avec l'autoroute 25, là, tu sais, avec le pont de la 25. Ils vont faire un petit peu la même chose. Puis au pire aller, la Caisse de dépôt peut dire on va l'opérer pendant 30, 35 ans, 40 ans, puis au bout de 40 ans, on le donne aux contribuables. Tu sais, quand tu vas avoir besoin d'être rénové, tu vas avoir besoin d'être réparé. Mais mon impression, c'est que ça va être beaucoup plus vite que ça. Ça va peut-être prendre pas plus que 10 ans avant qu'ils soient obligés de vendre en bloc le transport collectif. Là, je parle de la STM, la STL, la RTL à Longueuil. Là. Ils vont être obligés de vendre le transport à la Région de Montréal à des opérateurs privés parce que la Caisse de dépôt ne fera pas d'argent puis ils vont vouloir se débarrasser du système. Mais moi, c'est mon idée. Oui. C'est que déjà que la Caisse de dépôt investisse dans ça, il y a anguille sur. Parce que la Caisse Caisse de dépôt, en vérité, c'est prouvé que le transport en commun, en tout cas pas en région montréalaise, Montréal puis tous les environs sont bâtis en largeur et non pas en hauteur. T'as pas assez d'habitants, même si le monde dit t'as pas assez d'habitants pour un réseau électrique comme il veut le bâtir. Exactement. Écoute, Chicago a 8 millions d'habitants, là. Il y a 8 millions de personnes à Chicago, là. Puis quand tu y vas, ils n'ont même pas un système comme ça, là. Puis tu as 8 millions d'habitants. Ils ont un bon système, mais ils ont un système qui a été bâti il y a bien des années, qui entretient, etc. Qui était un peu archaïque, mais qui fonctionne encore, oui. Mais là, tu parles d'un million, quoi. Mais avec les... Même 2 millions de personnes, que ça n'a aucun sens. C'est illogique, monétairement parlant. C'est vrai ce que tu dis là de A à Z. Mais il y a Anguille Chouroche de 1... que c'est bien fait. Comme tu as dit, tu avais raison. C'est une commande de couillard pour sauver ses amis. Pour pouvoir continuer à donner des contrats. Puis ça, il y a du Marc Bibeau puis ça gagne en arrière pour continuer à avoir le pizzo pour la caisse électorale. Parce que toujours, le Parti libéral, faut jamais t'oublier que ça fait longtemps qu'ils ont trouvé d'autres moyens d'emplir la caisse électorale. Ça, c'est bien important. Ils collectent encore 10 millions par année. On n'a pas besoin d'être inquiète. Moi, ce que je comprends pas avec eux autres, c'est que plus ça va, plus ils sont déculottés, plus ils sont démasqués. Puis, plus ça va, puis on comprend le fonctionnement du réseau libéral, là. Comme j'ai entendu la semaine passée, depuis ce temps-là, je fais hashtag avec ça dans mes interventions Facebook, là, corruption systémique. Là. Je comprends pas comment ça se fait que les gens sont pas plus révoltés que ça. Je me demande même si quelqu'un quelque part pourra pas forcer Couillard à faire une élection anticipée. Là. Ben, j'ai l'impression qu'il pourrait démissionner le printemps prochain. Jean-François, justement, je viens de recevoir un courriel là, de quelqu'un, je peux pas vous dire, Marie-France Despatie, qui nous dit « Bruit de corridor ». Ça, c'est Sébastien Beauvais qui écrit ça. Se demande si Philippe Couillard ne serait pas tenté de déclencher des élections générales anticipées dès cet automne. Et voilà. Fait que ce que je disais à Max tantôt, je dis j'ai hâte de voir le prochain sondage. Parce que si le prochain sondage, là, des bons sondages, là, mettons, bien faits, qui donnait 35-39% aux libéraux, un petit roman ministériel à la fin juin, avant Saint-Jean-Baptiste, on passe l'été là-dessus, on envoie la commission systémique raciste. Puis écoute, je viens d'apprendre. Je viens de voir. Le Parti libéral est un parti de pouvoir, mon ami. Le Parti libéral va tenir le pouvoir jusqu'à la fin. Ils savent pertinemment, plus tu tiens le temps, ils vont rentrer encore 50 000 immigrants. Ils vont trouver le tour de faire voter des sans-papiers.
Cassez-vous pas la tête, la stratégie est faite. Ouais, ils n'iront pas en élection, ils risqueront pas. Ils viennent d'augmenter, Max, ils viennent d'augmenter, je viens de voir passer ça sur le fil de presse tantôt, là. Les gens qui sont sur l'aide sociale, les jeunes de 0 à 20, de 18 à 24 ans vont avoir entre 175 pour les 6 prochains mois à 250$ par mois, de 24, de 25 à plus haut, 370$ par mois pour les 6 prochains mois. Ça, là, c'est un indice d'élection à l'automne. Non, c'est des augmentations, ça? Oui, oui, augmentation à tous ceux qui sont sur l'aide sociale. Ah oui. Plus que... ben, à l'automne, ben, ça ne me surprendrait pas, comme vous avez dit, si les sondages, les metteurs de sondage tapent dans passer le 35, puis que la CAQ gruge du vote au PQ, puis là, que Québec solidaire, évidemment, le fait aussi, là, parce qu'évidemment, moi, personnellement, je veux dire, j'ai toujours pensé que le PQ est la solution social-démocrate au Québec, là. Mais moi, je me dis, ça se peut quasiment pas que ça s'aille pas en élection anticipée d'ici au printemps prochain, parce qu'ils ont tellement, ils sont tellement fait déculottés. Au moins, l'opposition fonctionne un peu sur le plan. Puis là, on voit que c'est les journaux aussi, parce que M. Pelladeau a repris en main le Journal de Montréal. Là. Fait que je sens. Ah, M. Pelladeau, là. M. Oui. Pelladeau qui garde un Luc Lavoie, là. Arrêtez-moi ça. M. Pelladeau, là. Oui. C'est le journaliste qui a sorti ça. Pelladeau n'a pas d'affaires en dessous de ça. Pelladeau, ben il faut m'excuse, là. Je vais faire l'avocat du diable, là. Il veut quand même la diversité d'opinion dans son journal. Mais... Voilà, hey, vous le mettez bien plus brillant qu'il est, lui, là. Hey, tabarnak, arrêtez-moi ça. Okay. Un gars qui garde Luc Lavoie à son emploi, là, arrêtez-moi ça, là. Ben, ça se peut que ça dure pas. Si c'est si indépendantiste que ça, ça fait longtemps que t'aurais collissé ça dehors, là. Arrête-moi. Oui. C'est la presse, là. À la presse, la Radio-Canada, il n'y a encore pas d'affaires de main. Il t'est collissé dehors. Arrête-moi ça, là. Mais t'es pas plus intelligent qu'il est là, là. Pierre-Carles Pelladeau, là, c'est pas plus brillant qu'il pense. Pierre-Carles Pelladeau, ça y était routi dans le bec. S'il est rendu de main, c'est parce qu'on lui a donné, ils ont donné Vidéotron, mon ami, puis c'est ça, il doit à Bernard Landry. Mais faut bien comprendre que c'est mon impression. Non, ça ne veut pas dire que j'ai une connaissance de tout ça. Il faut bien comprendre une chose, c'est que s'il n'y aurait pas donné Vidéotron aujourd'hui, Pierre-Carles Pelladeau, il sera en faillite. Oui, mais ça, ça reste à prouver, ça. Là, je ne sais pas. Écoute, Vidéotron, hein, à un moment donné, ça a passé à Rogers, c'est bien ça. Puis là, Bernard Landry a fait en sorte que ça. Ça reste au Québec. Mais il a quand même bien fait développer ça. Il a quand même développer ça, Max. Faut le dire quand même, là. Il a quand même réussi le taux de force de garder les téléphones cellulaires. Est-ce que c'est Richard Lehi qui me disait ça? Ce qu'aucun Américain a réussi à faire. Téléphone, TV, journaux. Il a pas fermé ses journaux encore, ce que Desmarais fait. Desmarais enferme en maudit des journaux. Ça a l'air qu'il enferme 6 autres, là. Dernièrement, j'ai vu ça passer. Fait que, tu sais, je veux bien Luc Lavoie, là, mais. Si on regarde l'ensemble de Vidéotron et tout ça, moi, je pense qu'il a quand même réussi quoi, là, Pelladeau? C'est correct. Vous connaissez ça. Je me connaissais de ça, oui. C'est ça que du monde qui ne veut pas voir, là, c'est comme tu parles, François. Ah, ben, moi, je suis pas obligé d'être insensé et d'être d'accord sur tout, là, Max. Là. Non, mais, Vidéotron, enlève-y Vidéotron, il reste quoi? Ben, il y avait quand même le Journal de Montréal, puis... Journal de Montréal, Journal de Québec, une couple des revues, etc. Puis ça a réussi à marcher encore. Il s'est tout débarrassé de ça, c'était les imprimeries, ils ont tout fermé, c'était tout en faillite. Ouais, mais c'est ça, il y avait de la vision, il a voulu l'acheter, il l'a acheté. Moi, il n'a pas voulu l'acheter, tabarnak, c'est l'autre qui l'a forcé à l'acheter. Ah, ben il l'a acheté. Puis, ils ont donné tout routi dans le bête, ils ne voulaient même pas l'acheter. Ah, ben là, c'est un peu loin pour moi, là, je pense qu'il voulait, à la lumière de ce que j'ai vu. Il voulait pas l'acheter, c'est Bernard Landry pis sa caisse de dépôt avec la caisse de dépôt qui l'ont financé. Oui, ça, je suis d'accord. Il voulait pas, il était pas capable de l'avoir. Oh, faudrait que je retourne en arrière pour voir être certain que ce que tu dis là est vrai. Ben, t'as pas besoin de l'acheter. Non, oui, je vais aller voir, Marc. Non, je te donnerai pas le bon Dieu sans confession là-dessus. Je te donnerai pas le bon Dieu sans confession là-dessus. C'est pas vrai. C'est pas plus fort qu'il faut. Je te donnerai pas le bon Dieu sans confession là-dessus. Je vais vérifier. T'as pas besoin de me le donner, j'en ai pas besoin. Mais oui, tu n'as besoin des fois. Des fois, tu n'as besoin. J'étais à la gueule quand je te disais que les libéraux étaient imbattables.
Puis il était imbattable. Là, t'es rendu que t'es comme un criel, tu ne sors plus battable. Non, non, non. Oh, non, non, j'ai jamais dit ça. Je sais pas si tu sors. C'est ça, ça fait 5 ans que les libéraux étaient imbattables. Tout était encore là, le Québec aux Québécois. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le Québec aux Québécois, puis vive le Québec libre. Oui, monsieur. Puis je te dis pas qu'ils sont battables. Oui, ils sont battables, les libéraux. Mais je peux. Oui, ils sont battables. C'est fini avec ton drapeau du Québec. Oui, moi, je vais le porter fièrement, mon drapeau du Québec, Marc Bardette, parce que. Que t'aimes ça, que t'aimes ou que t'aimes pas ça, moi je vais le porter mon drapeau du Québec. Puis je suis très fier de mon drapeau du Québec. Mais oui, mais comment c'est ça? Tu vas venir Même si je suis en chaise roulante. Même si je suis en chaise roulante. Même si je suis en chaise roulante, tu vas mettre mon drapeau du Québec sur ma chaise roulante, OK? Fait que tu m'empêcheras pas. Avec ta bouteille d'eau, avec la photo de Pelado. Oui, monsieur. Oui, puis il va peut-être mettre un chandail avec Pierre-Carl Pelado. Pick-up. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, je l'aime, le Journal de Montréal, parce que c'est le journal du peuple. Puis quand tu vas dans un restaurant le matin, le monde, il lit le Journal de Montréal. C'est ça qu'ils lisent, le Journal de Montréal. Puis moi, Max Bradette, je pense que t'as un peu de jalousie là-dedans. Moi, je trouve que t'es... Non, il y a de la jalousie. Oui, 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 tu dois être jaloux. Il y a de la lucidité. Il y a de la lucidité, mais... Quand tu regardes, là, c'est que ce qui fait vivre Pierre-Carl Pelado, ce qui fait vivre Québécois, Vidéotron, ce qui fait vivre Québécois, en grande partie, c'est les Québécois francophones. Fait que quand encore là, plus tu vas diminuer le fait démographique francophone, plus tu vas diminuer l'effet québécois, plus tu vas diminuer la puissance également de québécois. Et ça, les adversaires ont fait bien des farces, tout à l'heure. Et ça, les adversaires libéraux l'ont très bien compris. Parce que quand tu regardes le Journal de Montréal, il n'y a pas un incident là qui dit ça, là. Le Journal de Montréal, comme tu as dit, c'est le journal, le peuple sont habitués. Parce que les Québécois, c'est des gens d'habitude. C'est comme écouter TVA, même s'il est rendu plus regardable, présente toutes sortes de colis de niaiseries, il pourrait mettre le devant d'un centre d'achat pendant une demi-journée, puis il y aurait 700 000 personnes qui le regarderaient. Fait que c'est pas dur. Tout d'un coup, qu'il arrive un avion qui tombe sur le toit, tu sais, ça peut arriver, on ne sait pas. Tu sais, la qualité des émissions a beaucoup diminué. Oui. Tu sais, puis quand tu regardes, là, eux, ils savent pertinemment que tôt ou tard, la seule vraie valeur ces Vidéotron, et Rogers s'en avait aperçu, là, puis Bernard Landry s'en était aperçu également, que la seule vraie valeur, c'était Vidéotron. La balance en tant que telle, c'est comme le Journal de Montréal, plus ça va aller, les revues, c'est pour ça qu'ils s'en étaient. Oui, oui, c'est En fait, ce qu'il faut dire là-dedans, Max, là, c'est que Bernard Landry a été un peu... Pierre-Carl Pelado, il a peut-être été un peu comme Bernard Landry, puis un peu comme toi, toi qui prédis les résultats des élections, tu étais un peu visionnaire. Non, ce qui arrive dans ça, c'est que Bernard Landry, quand tu regardes, puis c'est ça qui est malheureux du côté du fameux Québécois, là. Quand tu regardes, quand ils ont vendu Vidéotron, là... 30 secondes. Le seul qui pouvait l'acheter, qui était dans ce milieu-là, francophone, québécois, c'était québécois, c'était Pierre-Carl Pelado. Pour ça, là, tu ne pouvais pas le vendre au Desmarais, tu comprends ce que non, je veux dire? Non, Landry n'aurait pas fait ça. Hey Max, c'est fort intéressant. Il est déjà 11h. Sinon, Jean-Marc va être obligé de recouper l'émission. Puis ça, il y a ici. Fait que merci, François. Et puis, Marc, si on va se reparler. Beaucoup, on va essayer de se reparler. Ça y est, avant samedi pour le Derby du Kentucky. Avant samedi, Max. Ça marche. Salut, Max. Max Bradette et François. Merci, François, d'avoir appelé. Et on se donne rendez-vous demain soir, 19h30. Les gars de sport sont là. Salut. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.